Bonsoir. Souvent, on me pose la question de comment faire une demande d'autorisation de travail. Il y a plusieurs façons de le faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire en ligne, c'est plus simple. Alors, on commence. L'autorisation provisoire de travail est à demander dès la première heure de travail. En cas d'accord, vous serez autorisé à travailler jusqu'à 50% de la durée annuelle de travail pratiquée dans la branche ou la profession concernée. Alors, comment préparer et déposer votre demande? En descriptive, j'ai déposé le lien du site officiel pour faire cette démarche. À noter que votre saisie est enregistrée et sauvegardée à la validation de chaque étape pendant 14 jours. Si vous quittez la téléprocédure en cours de saisie, vous pouvez la reprendre ultérieurement à la dernière étape enregistrée. À l'appui de votre demande, vous devrez joindre les documents permettant de justifier de la proposition de travail vous concernant. Avant de commencer votre démarche en ligne, assurez-vous d'avoir toutes les pièces à fournir en téléchargeant la liste des pièces justificatives ainsi que le modèle de mandat permettant à votre futur employeur de vous autoriser à déposer la demande en son nom. Vous avez la possibilité de joindre jusqu'à 3 fichiers numériques par document demandé, sans dépasser 10 mégas par fichier. À la fin de la procédure, vous pourrez vérifier les informations communiquées sur la page récapitulative avant de valider votre saisie en ligne, afin que votre demande d'autorisation provisoire de travail soit enregistrée. Alors, que se passe-t-il après la validation de ma saisie ? Après avoir validé votre saisie en ligne, vous pourrez télécharger, via l'écran de confirmation, une confirmation de dépôt qui vous sera également envoyée par mail. Une fois votre dossier instruit, un courriel vous sera adressé afin de vous informer de la décision prise. Merci de liker la vidéo pour nous encourager à faire plus. N'oubliez pas de vous abonner pour poser vos propres questions et avoir des réponses dans les plus brefs délais. D'autres sujets sont sur notre site midroit.com, droit sans S. Merci et à la prochaine.